Salut à toutes et à tous, ici Ectox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mr. Dragons. Salut à toi Mr. Dragons. Oui c'est moi. Et alors en fait je me suis dit la dernière vague de DLC est sortie, pourquoi pas créer mon propre DLC? Alors je vous explique, en fait j'ai installé des mobs sur Mario Kart 8 Deluxe. S'il vous plaît Nintendo, vous tapez pas sur les doigts, je partagerai pas les mods, vraiment, genre je veux juste vous les présenter. Mais c'est tout, genre il y a rien d'illégal. À moitié. Enfin bref, du coup je vais juste vous présenter un peu hein, une sorte de DLC que j'ai créé. Donc on va jouer à deux. Parce qu'on peut pas jouer en ligne. Ce qui est normal d'ailleurs. On va juste jouer à deux en course VS et on va faire quelques courses. Puis voilà quoi, c'est tout. Du coup je vais juste vous... C'est bon ? Ouais, on va vous présenter à peu près les personnages que j'ai installés. Donc nous avons Mario et Luigi avec des skins de Mario Kart Tour un peu différents. Alors ça se voit très peu, mais vous voyez, genre, ils ont les t-shirts bleus, la salopette orange, et lui, pareil, t-shirt bleu, salopette d'un autre vert. Nous avons du coup la fameuse harmonie de Mario Kart Tour. En fait, juste, j'aime bien cette harmonie dans Mario Kart Tour, vu que je l'avais débloqué, que c'est un personnage légendaire. Donc je l'ai remis. Nous avons ensuite tous les Yoshi dans des œufs. Alors ça, c'est cool. Vraiment, tous les Yoshi sont vraiment cool. Après, il allait un peu vite, mais nous avons donc le fameux Bowser. C'est le Bowser qui est dans une espèce de course dans Mario Kart 8, vous voyez, j'ai trouvé vraiment sympa, ça change un peu de Bowser et de Bowser Squelette. Nous avons Roi Bobons, alors c'est mon bonbon préféré, je le trouve incroyable, j'espère qu'il sera dans les vrais prochains DLC. Nous avons installé Zelda de Breath of the Wild, donc assez cool aussi, après ça reste Zelda quoi, ça remplace le skin de Link. Et nous avons Splatoon 3 et Splatoon 3 Fi. Donc les Inkling et l'Octaling de Splatoon 3, qui remplacent donc ceux de Splatoon 1. Et moi je finirai par le Bobons. Je vais commencer. Je te propose, on commence Mario Luigi, on va commencer classique, tu vois. Vas-y. On va commencer les skins classiques, Mario Luigi. Nous avons donc en circuit, nous avons donc Pisto d'Hélice qui n'est pas Pisto d'Hélice parce qu'elle a été modifiée. Enfin, voilà. Nous avons donc Promenade Toad qui n'est pas Promenade Toad non plus. Nous aurons donc une route arc-en-ciel un peu spéciale pour finir sur une vraie route arc-en-ciel. Et en dernier circuit, nous avons donc la forêt tropicale Donkey Kong. Je vais essayer de les faire dans celui que je du moins bien au meilleur. On va commencer par la forêt tropicale Donkey Kong qui se joue en seulement deux tours parce que c'est deux tours assez grands. Du coup, voilà la forêt tropicale DK. Normalement, c'est pas chier. Alors, moi, je les ai testés. C'est pour ça que je fais cette vidéo avec toi pour vraiment tu découvres et tout. Moi, je les ai testés. Ça m'a l'air de laguer un peu. J'espère que. Oula. Oulala. Ça lag de ouf. Ça lag de ouf. J'espère que ça va s'arranger. Je pense que c'est le fait de d'avoir des persos un peu buggés. Ça a pas l'air de laguer sur le boîtier de capture par contre. Regarde-nous, ça lag de ouf. Non, ça va. En fait, tant que vous voyez pas trop laguer, ça me va. Après, effectivement, le jeu n'est pas trop fait pour. Le jeu, pareil, les ordi, c'est pas non plus trop fait pour quoi. Donc, tant que ça lag pas plus que ça, c'est supportable. Franchement, oui. Et les graphismes qui ont strictement rien à voir avec les anciens graphismes. Les graphismes des DLC, pardon. Quand tu vois cette course, tu dis ouais, ça change. T'as de l'antigravité un peu partout, c'est vraiment sympa. Donc, on va plus trop voir la course. Premier tour de fini, on va juste essayer de faire le deuxième. On quittera à chaque fois, donc ça va les reins qui sera premier, qui sera dernier, tu vois. Bon, là en vrai, je joue vraiment pour découvrir. Exactement comme quand moi je joue au DLC, tu vois. Dans Donkey Kong Cup. Allez, deuxième tour. Je pensais que c'était un peu plus tôt, mais non. Y'a pas si loin que moi en fait. Regarde ça. Un peu quand même. Par contre, t'as vraiment la. Là. Hop, l'antenne. Ah, ça j'étais pas pour. Qui t'enlève un dérapage et qui permet de pas tomber, tu vois. Et on finira évidemment comme tout bon Mario Kart, on finira par la route arc-en-ciel. Évite de trop me balancer des objets en vrai. Oh, parce que le problème c'est que même si on quitte, tu vois, je suis un gros rat, hein, même si on quitte, les pièces sont comptées. Ce qui fait que je peux débloquer, tu vois, des personnalisations de véhicules pour pouvoir rajouter des modes dessus. Évidemment, je sais pas, on va dire c'est le début des vidéos modées, tu vois. Alors, c'est vraiment, je vais vraiment en faire d'autres. Ils sont rigolos. Sont rigolos sans être, tu vois, vraiment. Sans être choquant. Ouais. Genre vraiment, tu y fais plus attention à un moment là. C'est ça, tu vois.
fais plus trop attention et du coup bah... C'est vrai que là tu vois je fais quasi plus attention au perso alors que c'est vrai qu'il est différent des autres tu vois. Bah c'est ça. Bien joué, bien joué. Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description. Regarde-moi bien cette course. J'aime vraiment le début. Ça fait penser à quoi? À une map de Sonic. C'est vraiment la map de Sonic. En vrai, c'est hyper stylé. Avec deux lignes dans l'antigravité. Vous allez voir à quel point. J'espère que ça a pas bugué. Ça a pas l'air de trop planter. Ça va. Ça. Non, ça va. C'est propre. Je pense que c'est la course d'avant, il y avait beaucoup de choses, elle était grande et tout. Mais du coup, t'as même de l'antigravité et tout, et cette course, ça fait cool. Elle est super bien. Ah ouais, on sent qu'elle a tellement moins. Ouais. Bon, j'ai pris un raccourci sans champignons pour vous montrer les raccourcis. En plus, genre, le fait que les ordinateurs peuvent vraiment rouler dessus, c'est vraiment cool, parce que tu sais, c'est un peu compliqué à programmer, et si tu les programmes pas ordinateur par ordinateur pour qu'ils roulent dessus, ils roulent pas dessus, tu vois. Ils roulent pas dessus ou quoi? Sur la map. Sur la map? Ah ouais. Ouais, il faut vraiment les programmer pour qu'ils roulent sur la map. Ils roulent pas automatiquement sur la map. Ah ouais? Ouais. Ce qui veut dire que ça c'est vraiment cool. Et du coup il y a un gros taf au niveau des développeurs. Parce qu'en fait tu peux les laisser programmer classique, mais des fois ils vont être un peu perdus, tu vois. Ouais. Là sur... Ah ça tombe pas, merde. Sur toutes les maps que j'ai essayé, ils n'étaient pas perdus. Bon ouais. Bref, la course. En vrai la course je la trouve très très propre. Oh, elle est très cool. Ça représente bien Sonic. Alors il y a des cartes Sonic, hein, mais comme je vous dis, je n'ai pas encore mis de cartes. C'est vraiment le début des modes. Juste personnages et nouvelles courses. Voilà. Après, elle reste très classique, hein, mais classique qui fait plaisir. Tu vois cette map? Et bah, elle me... oh, tu vas me foutre spam de carapace, moi. En vrai, cette map, je la trouve très cool dans le sens où, par contre, je suis vachement dans le tour. Hein. Cette map, je la trouve vraiment. Oh, faut doser, du coup, tu t'es pas pris ma carapace position. Ouais, c'est pas grave, j'avais deux trucs. Bon, par contre, je vais me prendre celle-là. Mais non, pour dire que vraiment, cette course, moi, je la verrais bien dans un DLC, tu vois. Un peu comme ils avaient fait le premier DLC sur Mario Kart 8, où ils avaient mis le château d'Hyrule et tout. Bah là, je l'aurais bien vu, tu vois, avec un Sonic, par exemple. Ah, je retrouve un peu de latence. Ça va. Mais enfin, bref. Punition divine et j'arrive troisième. C'est clair, en vrai t'as pas eu de chance. Bah ouais. Franchement tu t'es pris deux mais plus en une fait, boule. C'est ça que j'allais dire, c'est que du coup les entre guillemets les. Pareil je trouve que les objets arrivent plus fréquemment. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais les modes peuvent. Je sais pas s'ils changent ça ou pas, pourtant j'ai la dernière version du jeu. Genre les objets ils les font arriver plus fréquemment. Je laisse bien la map, présentation. Elle est c'est vraiment une map de bande d'arcade. Non, elle est vraiment très propre. Ouais, je trouve qu'elle a un de ses flots. Pour moi, c'est ma préférée. Regarde les textures. Regarde les textures, ouais, frère. Ouais. Elle a un flot. Elle est incroyable. Et moi, je joue mon Inkling, qui est un Octaling. Mec, faudrait qu'un jour, t'apprennes à arrêter de jouer à Splatoon, parce que t'es addict à ce jeu. En vrai, plus tant que ça, hein. Mais du coup, oh, double carapace rouge. Frère, j'ai l'impression que... Ah, voilà, ce moment, je l'adore. C'est trop beau, franchement. Franchement, c'est incroyable. C'est con, mais ça fait vraiment Mario Kart. Ça fait surtout vraiment bande d'arcade. Ouais. Putain, mets-toi bien derrière moi, s'il te plaît. Enculé, quoi. Non, mais gros connard. Je vais vraiment balancer en avant, quoi. Et moi, je t'ai mis la mienne derrière. Oh, ouais, c'est pas grave, tu m'as vraiment laissé sur un tremplin, donc. Oh, on n'est pas là pour se battre, on se battra oui. Après ce soir quand on fera les maps et tout. On tirera les cheveux en même temps. Je vais sûrement rajouter des modes. Après, apparemment, il y a des petits passages sur cette map. Je les ai encore pas trouvés. Mais vas-y! Par contre, je trouve qu'on tombe beaucoup sur les éclairs. Bah, en fait, c'est ça, c'est le côté, j'ai l'impression que tous les objets rares dans le jeu de base, comme s'il y avait plus de paramètres, parce que tu sais, dans le jeu, t'as un côté où t'as une fréquence, j'ai l'impression que la fréquence elle est comme dans Mario Kart Wii, tu vois. Ouais, ou là la fréquence y'en a vraiment pas quoi. Oh. Et dose. Et dose de quoi frère? Tu m'as tellement lancé. C'est de la triche. Tu sais, je t'en ai lancé pendant toute la partie. Le plus important c'est pas forcément d'être premier, c'est d'avoir juste ce double cul, tu vois. Une protection. Oh, t'es une banane. Oh, ça. Je me suis sacrifié en plus. Bien joué. Oui. En vrai, j'ai eu de la chance. Est-ce que les poids sont vraiment mis selon le nouveau personnage ou pas? Je sais pas. J'ai pas vraiment regardé dans les modes, j'ai juste mis les personnages pour les skins. Oui, bah oui, voilà, je mets pas pour ça, mais
C'est vrai que je me suis posé la question. Là, et voilà, la route arc-en-ciel qui est donc unique. C'est pas une ancienne course. J'ai mis que des courses uniques, parce qu'il y en a beaucoup qui font des portages et tout. Mais j'ai mis que des courses uniques. Et en vrai, Zelda et Robobond sont des super personnages. Genre la Zelda, je la trouve. Même si elle a un petit défaut au niveau de ses cheveux, je la trouve quand même très jolie, tu vois. Oh putain. On t'est tombé comme une grosse merde, mais... Ta gueule. En vrai, cette map, je la connais pas du tout. Et bah, waouh, wow, je l'ai fait une fois, hein. Non, mais je sais, mais du coup, je dose pas, je sais pas où je vais, en fait. Attends de voir après le truc qui arrive. Wow. Qui arrive. Bah ça, je trouve ça incroyable. Waouh, c'est quoi ce truc? Ah, je vais tomber. En vrai, c'est juste une sorte d'accélérateur, tu vois. Continue, c'est ça? C'est horrible. Ouais, mais je pense que ça peut être pas mal. Par contre, y'a que des doubles cubes sur cette ligne, ça me pulvérise. Oh, t'as failli te prendre la banane? Gros, je suis quatrième, hein. Mec, je suis une place derrière toi, hein. J'ai envie d'attendre que tu me doubles pour te balancer une carapace rouge, mais... Ouais, j'ai vraiment du mal, hein. Attends, vas-y, dose... Je sais pas s'ils sont bien faits, les ordi, sur cette map, tu vois. Voilà. Je pense qu'ils utilisent des champignons un peu comme moi, ça veut dire très mal. Oh, vraiment, t'es mort au moment où je t'ai balancé la rouge, quoi. Je suis retombé derrière. C'est vrai? Mais en fait, j'ai mal dosé mon dérapage, du coup, tu vois. Je me suis fait faire un dérapage. Oh, oui. Oh non, j'ai eu l'éclair, mais j'ai réussi à avoir le cube. En vrai, ce moment-là est très dur. Je pense que c'est un peu mal géré, cette course. Après, forcément, on leur demande pas à la course d'être parfait. Oh, heureusement qu'il a mis des barrières, quand même, à la fin. C'est clair, mais il en a mis partout, dose un peu, il en a mis partout. Oh frère, tu fous ma gueule, il y a zéro barrière là. Il y a clairement zéro barrière. Non mais oui, mais ce que je veux dire, c'est il en a mis plein, tu sais, à ce moment-là, de merde. Ouais, mais c'est logique. Bah heureusement. Ah, quoi? Je suis sur la map. Oh, trop stylé. S'il te plaît, rattrape-moi. Non. Moi, je suis troisième. Cinquième. Juste parce que je suis... Oh non, pas de champignons. Oh putain. En vrai, c'est relou, les champignons. Bah sur cette map, un peu, ouais. J'avoue que c'est vraiment pas la map à champignons. J'ai une étoile, mec, j'ai trop peur. J'ai pris un. Putain, j'ai vraiment pris un champignon, plein dérapage. J'ai une étoile, j'étais deuxième, gros. Hein. Je suis obligé d'appuyer sur B. Hop. Oh, putain. Non. Non, je vais perdre. En fait, me tomber ici, tu tombes ici, tu gagnes. C'est génial. Ils ont mis sur la ligne. Incroyable. C'est génial. Ouais. Il m'a mis tellement loin après, il m'a fait passer le truc. En tout cas, j'espère que cette première vidéo sur les modes vous aura plu. Il nous reste une clean girl qu'on n'a pas testé, qu'on testera pas. J'en remettrai sûrement d'autres après, à savoir que c'est un peu chiant à mettre. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remettrai des nouveaux véhicules, je verrai peut-être même des trucs en mode on peut jouer en 1cc ou en 999cc. Alors en 1cc ça doit être horrible, mais en 999 ça doit être infâme. J'espère que ça vous aura plu, je ferai d'autres modes sur d'autres jeux. Voilà, c'était un peu mon DLC en gros, ce que moi j'ai choisi en course, c'était incroyable sur ce qu'ils faisaient sur les modes. C'était Ectox avec Dragon, je vous laisse, allez, salut à tous. Salut.